Bonjour tout le monde. Vous voulez aider votre enfant à assimiler les principales règles de grammaire. Vous voulez améliorer votre niveau en langue française ou vous voulez tester vos connaissances. Eh bien, je suis là pour vous aider et vous accompagner. Et je le fais avec un énorme plaisir. Je m'appelle Zineb El-Mehi, votre professeure en ligne. Je vous propose aujourd'hui d'évaluer vos connaissances sur les verbes transitifs et intransitifs. Et on commence tout de suite par un quiz de révision qui vous évitera la confusion entre ces deux types de verbes. Le principe de ce quiz est simple. Je vous propose 10 affirmations, à vous de choisir entre les deux options vraies ou faux. Vous avez 10 secondes pour chaque proposition et vous marquez un point par bonne réponse. En corrigeant, j'ajouterai quelques explications pour vous aider à comprendre la réponse. Réfléchissez bien et bonne chance.
Mes chers amis, j'espère que vous avez réussi ce test. Mais si vous êtes déçu de votre score, n'abandonnez surtout pas. Mais je vous conseille de revoir ma vidéo sur les verbes transitifs et intransitifs, ainsi que celle sur les compléments d'objet. Si vous êtes satisfait, on continue notre évaluation. Le deuxième test est un quiz à choix multiples, mais à réponse unique. Dans chaque phrase, vous devez trouver la nature du verbe conjugué. Parmi les quatre propositions présentées, une seule est correcte. Je vous donne 10 secondes pour la trouver. Chaque bonne réponse vaut un point. On commence tout de suite. Bonne chance.
Chers amis et chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de cette évaluation et j'espère que vous êtes satisfaits de votre score final. Pour ceux qui ont des difficultés à identifier le complément d'objet dans une phrase, j'ai consacré deux leçons sur la nature et la place du complément d'objet direct et indirect. Je vous recommande de les revoir. Je vous laisserai les liens dans la boîte de description. Enfin, je vous renouvelle mes remerciements pour l'intérêt et l'attention que vous portez à mes vidéos. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo et un autre test d'évaluation en grammaire. Et je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications.